Bien Christophe, professeur de thèse au lycée Vauvenargues, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui comme expérience? Donc l'expérience que je vais vous présenter maintenant permet de mettre en évidence la propagation d'énergie lorsqu'une onde mécanique progressive se propage. Ici, la propagation va avoir lieu dans cette barre métallique qui est fixée. La perturbation initiale, si vous voulez, va être créée par ce module, qui est l'extrémité droite de la barre, que je vais mettre en mouvement. Et donc le choc qui va avoir lieu ici, sur l'extrémité droite de cette barre, va provoquer l'onde mécanique progressive. Alors, Christophe, qu'est-ce que cette expérience nous a permis de montrer? Donc, cette expérience a permis de montrer deux choses. La première, c'est le transport d'énergie, donc de nature mécanique, entre l'extrémité droite de la barre et l'extrémité gauche, qui s'est manifesté par la mise en mouvement du pendule qui était situé à gauche de la barre. Je remontre. D'accord. Est-ce qu'il y a déplacement de matière au cours de la propagation d'une onde? Alors, il n'y a pas déplacement de matière à proprement parler, puisque la perturbation qui se propage, qui va se faire dans ce sens-là, va être au niveau microscopique. Au niveau macroscopique, on voit bien que la barre n'a pas bougé, elle est fixe, donc elle n'a pas bougé pendant l'expérience. S'agit-il d'une onde mécanique transversale ou longitudinale? Alors, il s'agit ici d'une onde mécanique longitudinale, car le déplacement temporaire de matière, qui se fait ici au niveau microscopique, comme ceci, a une direction parallèle à la direction de propagation. C'est ce qui permet la mise en mouvement.